J'en aurais sûrement besoin. Ça m'aidera. Ne me donne pas de raison de me souvenir de ton visage, étrangère. Je paraisse bien pâle à côté de Méridien. Il n'y a pas d'ombre sous le soleil de midi. Parole à retenir. J'ai envoyé quelqu'un à la requête pour prévenir tout le monde. Si jamais ton clan ou toi avait besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. On verra tout ça plus tard. Aloy. Heureux de te voir. C'est bien triste pour Irsa. Apprendre qu'elle est en vie, puis la perdre, que c'est cruel. Elle voudrait pas qu'on perde de temps. Elle voudrait qu'on retrouve Derval. Elle disait qu'il parlait d'une fumée occultant le soleil. Dis-lui ce que t'as vu dans ses papiers. Une lettre. Une histoire de flambée, envoyée dans un entrepôt du coin. Sauf qu'elle n'était pas pour Derval.
mais pour Elund le Forgeron, vous avez déjà entendu ce nom ? Ça me dit quelque chose. Oui, un propriétaire. Plusieurs Océras m'ont acheté des immeubles en ville. Je crois que c'est l'un d'entre eux. Attends, c'est à côté de la Messa, près du temple. C'était une boutique, mais ça peut faire office d'entrepôt. Si Derval a acheté l'endroit sous un nom d'emprunt, il y est peut-être en ce moment. Je rassemble mes hommes. Je vous rejoins. Erend, attends. Rappelle-toi que Derval est haï par ta tribu. Les clans paieraient très cher pour sa capture. De te prendre vivant, pour que tu puisses leur vendre, c'est hors de question! Notre sécurité dépend du maintien de la paix. Si l'occasion se présente, capture le vivant. Ceci est un ordre. Aloy, un instant, s'il te plaît. Quand nous avons parlé, Erend n'a pas voulu s'étendre sur les détails de la mort d'Ersa, ce que je comprends très bien. Mais comme justement je ne sais pas ce qui s'est passé, cette question m'obsède en permanence. Tu étais là. A-t-elle souffert ? Ce n'est plus elle qui souffre maintenant. C'est vous. Vous n'avez pas eu le temps de lui dire au revoir. Ça se voit tant que ça ? Plus que tout. Et je ne vois qu'une chose qui pourra m'apaiser. Trouve Derval et apporte-le-moi. Il répondra de ses crimes. Reste sur tes gardes. Tu aurais un moment, étrangère ? De quoi tu voulais me parler ? Tu es une étrangère, non ? Une aventurière ? J'étais comme toi avant. Je l'avoue, les couleurs de la nature me manquent tellement. En parlant de ça, je me demandais si tu avais trouvé des fleurs très spéciales. Elles sont en métal, comme une machine. D'autres fleurs poussent autour en formant des motifs incroyables. Ces beautés merveilleuses sont très recherchées par mes clients. Si tu m'en apportes, j'ai des articles de valeur à échanger. Tu as dit que tu étais aventurier ? C'est exact. Les nobles de Méridian recherchent des fleurs pour leurs balcons et jardins. Alors je suis parti, avec un arc et une lance. Je me suis fait un nom en recherchant les fleurs les plus rares des terres sauvages. Aucun bandit et aucune machine ne m'empêchaient de les trouver. Et après ça ? L'amour, ma chère. Ma bien-aimée s'inquiète quand je pars en expédition. Alors je récupère les fleurs auprès des gens, sans attache. Et ça vaut le coup ? D'être coincé comme ça ? Bien sûr. La liberté est douce. Mais l'étreinte de ma belle Théradine est plus douce encore. Ces fleurs de métal, d'où elles viennent au juste ? Personne ne le sait. Certains disent qu'elles sont apparues il y a 20 ans quand les machines sont devenues folles. Elles jaillissent peut-être des larmes du soleil. Il a bien des visages, tu sais.
Furieux un jour, paisible le lendemain, les souffrances provoquées par sa rage le font peut-être pleurer. Ah, marchons donc un peu pour ces merveilles. À la prochaine fois, noble Nora. Discutons un peu. Allez, une discussion colorée. Viens jeter un coup d'œil à ces marchandises. Je vois quelqu'un là-bas. Je cherche des aventuriers, de préférence sans amis ni famille. Voilà l'étrangère. Je suis Vilgund. Tu es venu en ville chercher du travail ? Ah, des éclats. Assez pour t'acheter une tenue plus adaptée. Ok. Arrête là, si tu veux que je t'écoute. Je voulais dire qu'une jolie femme aussi bien faite que toi... J'ai entendu une rumeur à propos d'un camp de Banouk. Des machines dociles, on y trouverait. Alors j'ai payé des hommes pour enquêter. Juste enquêter, c'est tout. Ces Banouk sont rusés. Trop rusés. J'ai payé d'avance. Enfin, la moitié. Je n'ai pas de nouvelles depuis. Donc tu veux payer quelqu'un pour retrouver ceux que tu as payés? Ah, ils doivent être morts. Ce qui m'intéresse, c'est la rumeur. Tu peux m'en dire plus sur la rumeur au sujet du camp ? Ah, le dernier groupe n'avait que la récompense à la bouche. Toi, tu es une maligne. Ce camp est si petit qu'il n'a pas de nom, où la neige ne fond jamais. On dit que les Banouk qui vivent en paix avec les machines. Le calme plat. Ça bosse, ça garde, ça papote. Si c'est vrai... Si on découvre comment ils font, imagine la valeur que ça aurait pour toutes les tribus. Quand tu parles de valeur, tu veux dire qu'ils te paieraient. Ah, oui. Je ne suis qu'un homme. Tu peux me parler un peu des Banouk ?
Les femmes Banouk, ce sont des sorcières. Elles sont glacées des yeux. Ils ont choisi de vivre là-haut, à Banur, dans la glace. Essayer de parler avec eux, c'est comme essayer de tailler un glacier. Ils préfèrent la compagnie des machines. C'est pour ça que je mise mes éclats sur cette rumeur. Ils n'ont peut-être pas envie que des étrangers soient au courant. Ah ! Leur truc mystique ! Tu es un genre de marchand ? Je ne vois pas de marchandises. Je suis plus un explorateur. Mais tu envoies les autres explorer pour toi. Très bien. Disons un opportuniste. Petite, jeune Nora, chasseuse. Nous vivons dans un monde d'opportunités. Des opportunités risquées. Mais pourquoi le danger empêcherait les gens comme moi d'atteindre un objectif lucratif? Très bien. Disons que je fais des paris. Si je m'intéressais à cette rumeur... Tu n'aurais pas besoin d'aller grimper sur les épaules du monde. C'est à la limite des terres Banouk, sous l'enclume de la lune. Et j'ai l'impression que t'as l'habitude de te promener dans l'Est sauvage. Enfin, l'Est. S'ils vivent réellement parmi les machines sans les craindre dans ce camp, eh bien... Tu ne peux pas rater ça, pas vrai? Je paie au retour. Les danses, la musique... Dommage que la plupart des visiteurs à Méridian n'en profitent plus. Ne passe pas à côté de cette tête. Je ne sais pas si c'est... Le roi Soleil Abad n'a pas le grand achevé ses traîtres. Et le soleil pour ne jamais tomber sur le bel d'orage appelé Rouge Mort. Il y a des travaux juvéniles dans le monde. Comment suis-je censé me reposer? Au soleil pour une journée productive. Tu es Nora. Je suis Naman, l'éploré. Je suis navré qu'on se rencontre ainsi. C'est-à-dire ? En deuil. Tu chéris le tien, comme un talisman. Pardonne-moi. Tu n'es pas venu demander réparation ? Pour un proche père. Et pour les raids rouges, mais les Karja ne me doivent rien. Je vois. Bon, j'accepterai avec plaisir l'aide d'une étrangère, et je t'en serai éternellement reconnaissant. Ces gens sont là pour honorer leurs proches, leurs morts, avec leurs propres mots, sans marmonner des rituels face à la pierre. Mais des obstacles se dressent, pendant que Méridian attend sans bruit la moindre difficulté. Cette tunique m'entrave les mains. Mais quel genre d'obstacle ? Le premier pèlerin est un Océram. Il a besoin de se rendre à l'hôtel des rois, sur le chemin de la ville. C'est là qu'il attend, retenu dehors par un vieux prêtre du soleil qui refuse les païens. Cet Utaru a perdu son compagnon à l'orée du joyau, près d'un lac où traînent des carapateurs. Il y a bien un hôtel pour repousser les machines, mais son efficacité laisse à désirer. Les Banouk peignaient une marque sur les pics du soleil. Un appel à l'esprit des machines, apparemment. Mais ce n'est pas utile. Des étincelles y nichent, attirées par l'éclat de la flèche. Donc, je dois chasser les machines de deux hôtels et chasser un prêtre du troisième. Je ne te demande que ta charité et d'entendre leur histoire. Naman, les rituels et les prières ne ramènent pas ceux qu'on a perdus. Non. Mais ils peuvent aider ceux qui portent leur deuil à se retrouver. Leur donne la force et l'espoir, l'aube d'un jour nouveau. Je ne pensais pas qu'un prêtre demanderait de l'aide à des étrangers. Si le soleil pouvait se coucher sur notre fierté.
Mais d'ici là, je ne suis plus un prêtre. Porter une tunique rouge, c'était un rêve. C'était ma mission. Nos cagoules nous rendent aveugles. Nous parlons de réconciliation, tout en oubliant que les anciens prêtres louaient les cantiques et les massacres. Les massacres ? Vous parlez des raids rouges ? Oui. Et des sacrifices qui ont suivi. Pourquoi les prêtres ont-ils laissé le sang se répandre ? Parfois, nous autres Karja tenons davantage à la tradition qu'à la justice. Les Karja et les Noran sont pas si différents. Les prêtres du Soleil vous déçoivent, mais c'était votre vocation. Je passais mon temps à admirer le temple. La voix de mon frère résonnait entre ses arches. Même lui n'a pas pu me dissuader, il a tout fait pour, à la fin. Il disait... C'est-à-dire ? Eh bien, on nous transmet nos tuniques. La plupart des anciens ont fui pour éviter la lumière d'un nouveau soleil. Alors nous portons le poids de leurs péchés. En tout cas, pour moi, c'est bien lourd. Où se trouve votre frère ? Il doit m'attendre sur le sentier du soleil. Mon frère s'est élevé contre les sacrifices. Un prêtre qui remet en cause le roi Soleil, par son châtiment, a été terrible. Vous avez perdu un proche aussi. Je suis désolée. Non. Non, pas perdu. En endossant cette tunique, j'ai trouvé son souvenir. Je ferai mon possible pour aider ces malheureux. Honorer leur mémoire, c'est honorer les vivants. Ici. T'es là, Derval ? J'ai une surprise pour toi. À moins qu'il ait une surprise pour nous. C'est une bombe ? Elle est pas bien grosse. Assez pour nous tuer ? Ok. Je me tais. C'est une bombe. Et bien conçue. De la flambée. Il doit y avoir un réservoir qui fuit à l'étage. Si la bombe explose, cette flambée embrasera toute la ville et le ciel. Ça fait beaucoup de flambées. Si jamais la bombe en bas explose, l'annonce de Derval se réalisera. La fumée cachera le soleil. Et la ville sera la proie des flammes. On doit... Si j'essaie de la démonter, le mécanisme va l'amorcer. Si on peut se débarrasser de cette flambée, l'explosion sera contenue. Si on peut se débarrasser de cette flambée, l'explosion sera contenue. Les attaches sont en bois, pas très résistants.
aide-moi à la sortir. Ok. Tout en force, je sais faire. Ça fera quoi? Ça sauvera la ville, j'espère. Mais quand la flambée tombera, prends la fuite. Parce qu'à cause du piège, la bombe au rez-de-chaussée va être amorcée. Et, on va survivre? Je pense pas. On pousse. On l'a fait. Le plan de Derval est déjoué. Et Méridian sauvé. C'est pas terminé. Derval voulait absolument qu'Avad y assiste. Impossible. Il faudrait qu'il entre dans le palais. Il est trop bien gardé. Retourne-y, on sait jamais. Je vais fouiller les lieux. Les hommes de Derval ont peut-être laissé des traces en posant la bombe. Ça marche. T'inquiète pas. S'il tente d'entrer dans le palais, il est mort. Aurais-tu un moment de parler de belles choses? Nabour, c'est plus lourd le soir qu'au matin. De la fumée s'échappe du bord de la Mesa. Est-ce qu'on nous attaque? Les traces mènent à l'intérieur. Une autre cachette de Derval? C'est sûrement là que Derval a fabriqué le détonateur. Oh non! Il a détruit le mur! Derval a bien trouvé un moyen de pénétrer dans le palais. J'aimerais bien être là-bas pour voir le dieu soleil à genoux. Arrête de râler, imbécile. Faut bien que quelqu'un surveille l'arrière. Surveille plutôt ton arrière à toi. Thank you.
Mon cher Avad, le petit avorton frétillant d'un roi dément. Tu m'as volé le droit d'abattre ton père, alors je me contenterai de toi. Je vais me délecter de voir brûler le Karja, mais le mieux, c'est que tu regarderas le spectacle avec moi. Fais tes adieux à Méridian, Avad. Respire la fumée et étouffe-toi des cendres. Ça ne marche pas. Je n'ai rien entendu. Il y a un peu de fumée vers le bord de la Messa. Non, ça devait être un incendie, pas une flammèche de feu de cheminée. Qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est toi, la Norak. Eh bien, bon ou pas, je vais éclabousser ce trône de sang. Le tien, d'abord, puis celui d'Avad. Pourquoi Avad envoie toujours des dames dans ce sale boulot ? Terminé, Nora. Tout bon artisan au Céram te le dira. Il faut toujours avoir trois plans. Te battre contre les machines, parce qu'il y en a d'autres qui arrivent. Machine, parce qu'il y en a d'autres qui arrivent.
Pourquoi s'embêter quand une machine peut faire les choses à votre place? Préférer qu'Ersa soit la porte à battre. Mais je vais le faire, pour elle. Vas-y. J'ai pas peur. Te connaissant, Eren, tu vas échouer. Je sais de quoi tu as peur. Rentrer captif à Prime Source. Tous les clans de la Requête veulent ta peau. Ils sauront faire durer le plaisir. Et ils se battront pour t'avoir. C'est tout toi de laisser à quelqu'un d'autre le soin de te tuer. Silence! C'est le Roi Soleil qui décidera de ton sort.